Hey, comment ça? Y'a Milo qui dort. Ah oui, c'est vrai, pardon. Eh ben alors, hey, comment ça va? Mais ça va, ça fait plaisir de vous voir. Vas-y, viens, entre. Ouais, ok, merci. T'as quand même le droit de rentrer. Merci, c'est gentil, ça fait longtemps. En tout cas, ça fait super plaisir que vous m'ayez invité à dîner. Hein. Ah, mais c'est trop cool, on est trop contents que tu sois là. Non, en plus, je me rappelle que tu cuisines super bien, toi, non? Ah, ouais. C'est moi qui cuisinais là. Ah. Je vous ai préparé des brocolis aux épinards avec des choux de Bruxelles. Déjà que t'étais éclaté en cuisine avant, toi, ça progresse pas. C'est quoi ce menu éclaté là? Bah, le truc, c'est qu'on essaye d'apprendre à manger des légumes systématiquement à Milo. Donc, bah, on s'est dit, on va montrer l'exemple. Ah, ok. On va passer un super repas, putain. Oh là, attends ce que tu dis par contre. De quoi? Plus de gros mots à la maison. Bah, c'est quoi aussi le problème avec les gros mots là? Bah, on essaye d'apprendre à Milo à parler correctement, donc bah, on montre l'exemple. Ouh, ok, j'ai compris, les parents relous quoi. Bon, je peux quand même aller aux toilettes avant de manger ou en ce moment on apprend à Milo à pas faire caca? Non, 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 avec grand plaisir, vas-y. Ah, merci. Ah, attends, parce que du coup, bah, on essaye d'apprendre à Milo de faire caca au pot, donc. Donc quoi? Non, mais je vais pas... Ben, si. Mais pourquoi? Montrer l'exemple. Il arrive, j'ai fini. Milo, Milo, regarde. Tonton Nino, il a fait caca dans le pot. Regarde, va voir. Super, tonton Nino, il a fait caca dans le pot, super. Regarde, toi aussi t'es grand, toi aussi tu peux faire caca dans le pot maintenant. Allez, hein, on va être fort, on va être grand maintenant. Non, non, non. Alors comment il va le petit Milo? Ah, Milo il pète pas trop la forme en ce moment. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Ben je sens qu'il est pas bien, il sourit pas trop. Je sens qu'il pète pas la forme, je sais pas s'il y a des médicaments pour ça. Ah merde, mais c'est, vous croyez que c'est grave ou... On pense que c'est lié au stress d'être bébé. Comprendre qu'il grandit, tu vois de quoi je parle? Non, pas trop non, j'ai pas compris. Explique-lui bébé. Tu sais le fait d'être stressé, d'être un bébé, de sentir que tu grandis. La dernière fois je l'ai vu, il était en train de faire un rototo, j'ai senti vraiment stressé et vraiment ça m'a brisé le cœur. C'est rien. Moi je pense que je sais ce qu'il a hein, comme problème. Tu penses que c'est quoi? C'est pas grand chose hein, c'est juste que bon bah il a des parents relous quoi. Chiant. Tu penses qu'on est chiant? Ouais je sais pas. Tu penses qu'il y a des médicaments pour ça? Je sais pas. Putain. Bouge pas, Euclide. Papa revient. Sois sage, hein. C'est très impressionnant, l'éducation Montessori. Oui, c'est l'éducation que j'ai choisi de lui donner. En gros, l'enfant s'exprime par lui-même et il n'a pas de limite, il n'a pas de cadre. Il passe son temps à s'exprimer. Et là, il s'exprime en détruisant ton canapé, non? Non, Hilary. C'est là que tu fais erreur. Là, tu vois, l'enfant est en train d'exprimer son talent artistique. Il dessine sur le canapé, il déchire le canapé, il découpe le canapé. Ce n'est que de l'expression, Hilary. J'étais pareil quand j'étais petit. Alors moi, ça se passait beaucoup plus à travers les timbres. J'adorais ça. Je collectionnais les timbres, je les collais sur un petit livre et après, j'avais un petit livre de timbres très minutieux. En parlant de livre, ouais. Il est en train de faire quoi avec le livre, là? Je sais pas, Hilary. Le but n'est pas de surveiller l'enfant, le but est de le laisser s'exprimer, je t'ai déjà expliqué. D'accord. Et ce serait pas ton livre de timbre qui serait en train de déchirer là? Hein? Là. Oh le bâtard! Euclide! Lâche le livre, ta race! Lâche! Lâche! Oh! Non! Non! Là! Crache le timbre! Crache le timbre! T'as vu ma mère, je vais te tuer! T'entends, je vais te tuer! Je vais te tuer! C'est Montessori, coup de coude? Ouais, faut croire. Bah en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Mais ouais, ça fait grave longtemps qu'on s'est bah pas oui, vu. Ça fait grave longtemps parce que ça, vous êtes parents, vous sortez plus. La vie a changé, hein. Bah oui. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que je passe vous voir. Je me disais, est-ce que ça vous dirait pas que ce soir, on se fasse une petite sortie tous les trois? Bah, avec grand plaisir. C'est vrai. Tu vas aller où? Bah écoute, j'ai pas réfléchi. Moi, je vous propose Cheeky Monkey, Oli Oli. Cheeky Monkey, Oli Oli, mais tu vas adorer. Il y a des toboggans. Mmh. Ils font des chamallows, ils font des milkshakes, mais c'est un régal. Ça te dit? Ouais, ça a l'air bien. Le toboggan. Mais je pensais plus une boîte, quoi. Genre peut-être le Club 41, l'Eclipse, le Lyotte de Bio, non? Ça, c'est un peu plus compliqué, tu sais. Ouais, les boîtes de nuit avec le petit et tout, vraiment. Oui, non, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. C'est... Un resto, on peut se faire un resto. Un resto, bah. Ouais, quoique, mais... non, un resto, regarde, ça, il faut prendre la poussette, ouais, le sac à manger. Ouais, les biberons, les couches. Imagine, il hurle. Pleure, les gens entourent, on va faire que des allers-retours. Ouais, non, ça va, c'est bon, vous embêtez pas, j'ai compris, c'est mort. On sort pas, quoi. Si, moi je vous propose qu'on sorte, mais un peu plus tard. Ouais, bah mais ça c'est très bien, un peu plus tard. Alors, vous savez quoi, vous vous occupez de rien. Je passe vous chercher vers 11h, minuit. Ah, nous, on voyait plus quelque chose comme d'ici genre 10 ans, tu vois. Le petit sera grand,
On aura 40 ans, c'est sympa quand même. Toujours jeune. Ah oui, c'est beaucoup plus tard là. C'est... Ah, ouais. J'espère que ça sera pas fermé quoi. Il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont sortir. Hein. Ouais, je réserve pas tout de suite. Non. On a un peu le temps. Allez, je vais aller chercher d'autres potes moi. Oh, je suis tellement content que vous ayez enfin trouvé une solution pour sortir. Tu sais que c'est grâce à toi. Oh, et c'est ouais. Vrai. Mais si, je te jure, quand tu nous as dit qu'on était un peu relou et tout, qu'on sortait pas trop, ben on s'est dit c'est l'occasion. C'est vrai que depuis que vous êtes parents, on voit plus trop quoi. C'est vrai hein. Bon bah, on y va. Avec grand plaisir. Très important, ça c'est le lait pour notre fils. Le doudou, ça c'est les couches. Le liniment pour le changer. Attendez, je comprends pas le. Non, non. Ça c'est pour le nettoyer. Non, on s'est pas compris. Merci mon niveau. Oui, mais on s'est pas compris par. Ouais, ouais, on y va. Non, mais je peux pas quand même nettoyer les fesses. Non, non, je peux pas. Et faire ça. Ça sent pas mauvais, je te jure. Oh, quoi que des fois, ça sent quand même très mauvais. Non, mais j'ai pas. Ouais, mais ouais, merci. Mais non, mais quand je disais sortir, c'était nous on sort quoi, c'est pas. Je vais pas lui essuyer les fesses quand même. Caca dans couche. Pas caca dans pantalon. Tonton Nino. Non, pas caca. Non, 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 non. Milo, pas pleurer, pas pleurer. Tu vas caca? Milo, pas caca. Pas caca. Pas caca. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Bonjour monsieur, j'ai reçu un appel par rapport. Excusez-moi. J'attends là du coup, hein. J'attends là. Oui monsieur, c'est pourquoi. Bonjour madame, on m'a appelé, vous savez par rapport. Ouais, je suis désolée, là on a vraiment pas le temps, c'est le rush, je suis désolée. Oui mais c'est par rapport à l'appel que. Oui bonjour, qu'est-ce que vous voulez exactement? En fait, j'ai reçu un appel et en fait moi je suis censé venir. Attendez, ma femme va gérer tout ça, elle revient, ne bougez surtout pas. Je bouge pas alors hein, je reste là, hein, je suis devant la porte. Vous êtes encore là? Oui, parce que. Non, qu'en mais fait, nous, je vous ai déjà dit, on a vraiment pas le temps. Si vous voulez revenir plus tard, que j'ai eu un appel. Oui mais madame. Mais madame, je suis le babysitter en fait. C'est moi qui dois m'occuper du bordel. Madame? Et pourquoi Nino, toi, tu fais pas d'enfant? Je travaille trop, qu'est-ce que je vais faire d'un enfant? Je suis tout le temps sur mon ordinateur, je suis en train de bosser, le gamin il est là, il pleure, qu'est-ce que j'en fais? Après, mon Nino, il y a toujours des solutions. Ouais, il y a les crèches, il existe des établissements spécialisés pour s'occuper des enfants. Oui, j'avais vu un truc là, justement sur internet, je me baladais, effectivement, je vois qu'il y a des solutions. Mais après, quand ils grandissent, tu sais, quand ils deviennent ados et que le mec il t'écoute pas, il veut fuguer, là t'as pas de solution là. Mais pareil, il y a toujours des solutions. Bah, quoi comme solution pour les ados? Les colonies de vacances, il existe plein de choses. Ok, il y a des solutions pour ça, mais par exemple. Quand il a des boutons partout plein la tête là qui ressemblent à rien, il y a quoi comme solution? Toujours des solutions. Comme quoi? Soit tu des crèmes pour le visage ou tu achètes de l'hermato. Oui, j'ai vu ça aussi. D'ailleurs là j'étais en train de regarder un site, Lena Cosmétique. Ils disent que c'est la crème révolutionnaire pour enlever les boutons. Bah voilà. Et en ce moment il y a moins 10% avec le code Lena. C'est sûr que si je suis ado aujourd'hui, je vais sur le site, j'achète ça, c'est taillé, la peau elle est nickel. Ok, on a réglé le problème des boutons. Mais après on va pas se mentir. Un enfant c'est bien, vous avez un gamin, il se balade. Mais t'imagines les mecs qui en font deux? Il y a des types, ils font deux gamins. C'est pas des gogoles quand même. Un enfant, déjà c'est relou. Deux, je vais comment? À droite, à gauche. Moi ouais, je pense que je vais servir à boire. Vous voulez quelque chose à boire? Ça va. Ça va. Non mais en vrai, deux c'est bien. Deux enfants c'est bien, c'est le chiffre parfait. Tu vois, mais... Hein? Mais après, c'est. Oh, les gars qui en font 12! Pff, ces gens-là, là! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! On a quand même de la chance d'être père. Bah, c'est la plus belle chose du monde. C'est que tous les matins, moi, je me lève et je me dis, mais c'est vraiment la prunelle de mes yeux, mon fils, quoi. En fait, ma vie n'avait aucun sens avant mes enfants. Bien sûr, mais évidemment! Évidemment! Attends. Ouais. Oui. C'est vrai que des fois c'est un peu relou. Ah putain, ouais, j'osais pas le dire. Des fois, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et moi quand je dépose à la crèche, oh là là, je vois dans les yeux de la meuf de la crèche. Oh non, ils arrivent, moi je suis là, papa. Barre-toi. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est ce que c'est. 18 ans, qui se casse. Et tranquille à la maison. Plus de. Oh là là. Les pleurs, les cris, les couches, c'est pour je ça, pas un moment, mais. Je n'en peux plus. On les aime quand même. Oui, et puis c'est. C'est la base d'une vie. De la chance quoi d'être père quoi. C'est vrai que c'est une chance pour eux. Ah bah attends. Super. Bon ça fait plaisir en tout cas. T'as l'air d'aller vraiment mieux. Bah oui, bah après c'est vrai que après la séparation avec Julie j'étais un petit peu down quoi. Mais après c'est la vie, c'est comme ça. Et puis moi tant que j'ai mon fils je suis content tu sais. Mais c'était pas Julie quand même qui s'occupait un peu de l'éducation de ton fils? Mais pas du tout, ça c'est ce qu'elle essayait de faire croire à tout le monde. En vrai c'est toujours moi qui ai géré. D'ailleurs depuis qu'elle est partie je te cache pas que j'ai l'impression que je m'en sors bien. J'ai l'impression même qu'il progresse, t'es rien. En quoi tu le vois progresser? Eh ben à FIFA.
Ah, qu'est-ce qu'il est fort. La semaine dernière, il m'a mis un doublé, je sais pas comment il a fait. Et puis, je vais te dire un truc, j'ai l'impression qu'il va être comme son papa, celui-ci. Il va aimer la vodka. Hein? Et comment tu peux savoir ça? Ah, parce que tous les matins, je lui mets une petite dose de bière dans le biberon et il cavale partout, il adore ça. C'est un truc de ouf. Tu sais, il y a des toboggans, mec, mais de. Mais... Des machalots, des toboggans. Des chamallows. Des machalots. Non, 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 je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Non, 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 non. Vous rigolez pas et moi j'essaye de pas oublier mon texte. C'est... Moi j'essaye de pas oublier mon texte. T'as les drôles et le teubé. Mais il va quand même pas mettre du caca partout. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Bah tu sais, quand t'es bébé, tu comprends. Enfin, tu peux avoir le stress de l'enfance, de grandir et tout. Puis la dernière fois, je l'ai vu. Et la dernière fois, je le voyais, il était vraiment, il était pas bien. Il commençait à faire son. Quand je parle de cris, tu vois. Mmh. T'entends? Ah, faut les tuer, quoi. Silence! Ça m'a brisé le cœur. Non, non, on l'a pas. En tout cas, ça fait plaisir que vous ayez enfin trouvé une solution pour sortir. Hein. Et ouais. Ah, d'accord, excuse-moi. Alors, dites-moi, comment il va le petit Milo? Bah, Milo, il pète pas trop la fin. Je suis désolé, non, mais du gogo. These bitches coming off registers, living life under rules, and I'm ditching all of the secular, unrespectable motives in my eyes. Never understanding your vision when I'm up hearing all these lies, but I go, 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 go.